quelqu'un qui avait les clés brillantes. Normalement, la nuit, les plantes dorment déjà. Vous voyez, lorsque vous avez essayé de planter cette plante dans votre maison, les sorciers ne pourront plus vous rendre visite. Jamais. Vous enlevez les écorces de ces plantes, vous les écrasez, vous séchez. Lorsque vous avez les plaies brillantes, agada, paraffin, vous les écrasez, vous mettez cette poudre. Par la grâce de Dieu, c'est la guérison. Maintenant, nous allons parler de l'argent. Vous prenez cette feuille. Il y a un signe géomancie que je vais vous montrer. Il n'est pas bon. Je demande la permission à la nature et la terre. Regardez bien le signe que je vais tracer. Regardez bien, visualisez bien. La caméra. Vous voyez. Vous tracez, ça fait tout là, Yeko. Tout là, Yeko. Maintenant, c'est Djogbé deux fois. Dans la géomancie, normalement, le monsieur là, c'est lui qui était le grand frère. Mais une négligence a fait que Djogbé a pris sa place. Bon, bref. Maintenant, cette feuille là, vous allez prendre 201. Je n'ai pas dit 256, c'est 201. Dans la nuit profonde comme ça, et ça posait à partir de 22h, 23h, au moment où il dort déjà. Et vous allez partir le réveiller. C'est comment d'abord nous pouvons réveiller les plantes la nuit. Je suis venu maintenant. Si, moi je suis en train de vous montrer les choses justes, je suis venu avec 100 francs, 200, je fais comme ça. Maître, j'ai besoin de votre aide. C'est moi, votre fils, c'est moi, telle personne. On doit le gomme tomber. Situation, tu es le sang de papa. Je sais que vous dormez. Mais lorsqu'il y a un problème, au plus profond tard de la nuit, nous pouvons aller chercher ou réveiller l'ami sur qui nous comptons. Je comptais beaucoup sur vous, raison pour laquelle je suis venu. Permettez-moi, je n'ai rien sur moi, j'ai que 100 francs, j'ai que 500, j'ai que du blanc. Permettez-moi de vous toucher afin que vous allez me servir la délivrance, la guérison de ce que je veux. Quand vous avez fini de parler comme ça, vous avez dit encore permettez-moi et vous allez chercher les plantes non trouées. 200, comme j'ai dit, 201. Après avoir maintenant cherché. Vous allez prendre du kaolin, vous voyez, du kaolin que vous écrasez bien en poudre. Vous mettez de l'eau. Et c'est ça que vous prenez votre doigt comme ça. Vous donnez les signes, tout là, yakula, sur les feuilles. Vous donnez des signes sur les feuilles, comme ça. Après avoir donné, laissez sur 201, vous allez payer le parfum Saint-Michel qu'on appelle Ambre. Vous allez payer une bouteille. Vous allez payer l'œuf. L'œuf, coclosie. Pas forcément pour les noirs. Vous allez payer l'œuf de canard. Œuf de dindon. Ça fait 3. Vous mettez tous ces œufs là dans une marmite de terre. Au cas où vous n'aurez pas, donc cherchez une marmite neuve, un aluminium, il n'y a pas de souci. Vous mettez les 3 œufs au fond du jar. C'est ça, non? C'est ça, non? Oui. Vous dormez? Non. Le monde vous voit. Hein? Ce sont mes enfants, je les ai réveillés. Donc vous mettez les 3 œufs, dindon, œuf de poule. Au cas où vous ne pouvez pas trouver dindon, alors cherchez le meilleur pentade. Vous cherchez, vous remplacez par l'œuf de pentade. Vous mettez ça au fond du jar. Et ceci que vous avez traversé, vous avez
tracez maintenant. Vous mettez ça, vous allez couvrir. Maintenant, cherchez de l'eau et puis vous mettez là-dessus. Bien propre. Versez moitié de parfum Saint-Michel là-dessus et préparez ça sur le feu. Il ne faut pas que ça va renverser dans le feu. L'eau ne se bouille pas jusqu'à ce que ça renverse dans le feu. Après le cuisson maintenant, avec la cuisson maintenant, vous allez déposer ça par terre, enlever les œufs pour déposer ça dans l'eau en attendant pour que ça puisse faire du blanc. Restez tout en ce quand ça va devenir, ça va se refroidir. Vous avez cherché ça dans la nuit, non? Vous pouvez aller préparer ça en même temps. Dans la journée, vous faites de votre course. Au cas où l'eau ne veut pas trop vite refroidir, alors mélangez avec de l'eau simple pour que ça se refroidisse. Maintenant, restez tout en ce nuit et récitez le psaume 7 trois fois. Priez contre la malédiction, comme vous pouvez le faire. Mangez l'œuf de pintade, l'œuf de poule et laissez une, le canard. Douchez vous, rincez vous le corps en demandant tout ce que vous voulez. Et puis après avoir terminé, vous mangez le reste de l'œuf. Faites ce pain trois fois, lundi, mercredi, vendredi. Même si on vous a attaché comme un esclave spirituellement, si la personne qui vous a attaché ne veut pas vous libérer, on va dire qu'il est mort. Que Dieu accorde longévité à vos ennemis. On m'appelle le sorcier du Saint-Esprit. Vergé Raphaël Le Bignon. +229 le 95 26 41 46. Je vais vous montrer notre boutique tout à l'heure. Shalom.